jodi a nou kontan rentre la kaou nan kad de misyon akor des akor, yon misyon sosyo-politik, ekonomik, kakil tirel, ki rentre la kaou chak semen, yon fason pou nou esye gade pou nou e, yon bagay ki manke aktualite, a yon pou yon aktualite a ki kapab interese nou, esye komante l'analize la avek des akteur ki yon menm gen wak yon posisyon e komune, konsa tou, yon gen wak yon posisyon ki diverge par rapport avek kestyon. Jodi a, emisyon jodi a, li pral baze spesyalman sou sakre le kreasyon d'emploi chi la jeunesse. Bon ko kreasyon d'emploi en faveur des jeunes avec deux jeunes garçons que nous gagnons privilège pour nous recevoir jodi a nan émission nou. Reginald Ladouceur qui lui-même c'est président du CEEH et puis qui c'est directeur national de All Prize, un concours international là qui Haïti a participé depuis plusieurs années avec Reginald. Nous pas laisser regarder et ça qui gagnait et nan All Prize avec nan CEEH et puis nous gagnons pour nous recevoir tout John Mary qui lui-même c'est et porte-parole du mouvement enveloppe jaune, mouvement enveloppe jaune yo côté que y a mandé travail pour la jeunesse avec deux personnages ça que jodi a n'a pas chance pour nous parler dans émission accord des accords. Reginald Ladouceur, bonjour, merci parce qu'on accepter répondre question aujourd'hui à comment ça y est. Bonjour Jean-François Danger, nous saluons tous les téléspectateurs émission accord des accords qui suivent nous. Son plaisir pour nous, c'est avec un pile sentiment de fierté que nous pouvons partager ensemble avec jeunes yo mouvement que n'a mené en faveur yo soit qui capable aller qui capable porter on aller mieux mais surtout sur le plan économique. Non mais oui, merci pour avoir accepté invitation, comment ça y est. Bonjour Foucha, bonjour Reginald Ladouceur, nous dit bonjour à tout le monde et c'est un plaisir pour nous là dans l'émission Accords et Désaccords pour nous parler des mouvements enveloppe jeune et regarder qui côté nous capable tomber d'accord avec Reginald Ladouceur nous connaît qui a évolué dans le domaine entrepreneuriat et côté nous capable gagner des accords et déjà nous on bail qui lié nous c'est travail. Mouvement enveloppe jeune, c'est qui ça lié directement? Mouvement Enveloppe Jeune, c'est un mouvement qui charrie une revendication et qui se travaille, mande travail pour la jeunesse, et, mais qui a d'autres objectifs encore. Il y a d'autres objectifs parce que ensemble des gens qui ont un mouvement Enveloppe Jeune, ils ne sont pas seulement des gens qui cherchent le travail, ils sont des gens qui veulent créer du travail et dans le pays. Et c'est ça qui mouvement Enveloppe Jeune, c'est un mouvement qui va être l'objectif pour le pays d'Haïti. Et il y a un travail pour tout le monde et les gens qui à l'étranger sont capables de tourner vers le travail en Haïti. Et Reginald et Ladouceur, et en dans CEH, nous parlons d'entrer par rapport à la question mouvement enveloppe jeune, en dans CEH avec All Prize et qui Haïti, qui ça qui a fait exactement? Pour nous comprendre qui ça qui a fait, une question nous va laisser poser. Et tout étudiant ou bien tout le monde qui passe dans le secteur académique, il y a posé une question en vieux déjà. La question est simple, c'est qui ça m'a fait le même là? Par exemple, un étudiant qui a été de là, au moins une fois dans la ville, il pose des questions. Après, il finit la faculté, ça me va le faire. Donc, CEH même vient en réponse ensemble avec question ça. Qui ont une classe différente de position John Mary. Ça vient faire que CEH, dès qu'il pose des questions, qui ça, jeune, ne va le faire, nous dit est-ce que nous allons aller travailler ? N'entendons que l'État n'a pas capable de tout jeune au travail. Et conditions environnement macroéconomiques pays pas permettre que la création d'emploi vraiment. Parce que pour gagner un emploi qui crée, il faut une stabilité économique, il faut un environnement qui est vraiment compétitif. Et dans les conditions, ça n'a pas vraiment gagné. Puisque l'environnement pour créer le travail n'a pas gagné, nous disons nous prenons créer le travail. Donc, CEH charrie une revendication côté que les jeunes finissent l'école, ou pas obligé de diplôme, ou pas obligé de CV seulement, nous pas compte déposer CV, mais ou pas obligé de gagner comme première option. CV, c'est une option qui est la option C, option Z, mais revendication principale à l'infini, nous prenons créer le travail. Créer travail à partir de qui ça, ça sont l'autre débat qui est capable de vendre l'émission. Mais CEH, c'est ça. Et All Prize, même, c'est qui ça lui-même. C'est un outil qu'on est capable de dire au service de cause. All Prize, ce que ça permet de nous faire, il permet que les jeunes qui ont des idées, ils présentent sous forme de projet, sous base d'un concours. Et les jeunes, ils ont une possibilité pour qu'ils présentent des projets dans l'autre pays à travers le monde. Donc, ils représentent l'université, la tête et le pays. Donc, en gros, c'est deux mouvements. Sous-employés, chômeurs ou encore entrepreneurs, les jeunes face à l'avenir ou à l'emploi, c'est autour de thème ça aujourd'hui, on va essayer et faire émission. Mais en ce qui a trait avec le mouvement Enveloppe Jeune, il y a des gens qui disent que son mouvement est qui déclenché après les gilets jaunes qui fait dans le pays de la France. Il y a des gens qui disent que son mouvement qui soutient dans le truc Caribe Challenge et c'est qui ça lié exactement. Son question nous vient souvent et il n'est pas sorti des mouvements gilets jaunes parce que la jeunesse haïtienne
n'est pas en panne d'inspiration. C'est un mouvement qui débouche après Petro-Caribe. Mais c'est après aussi et mouvement et jeunes en France. Mais c'est en dedans Petro-Caribe Challenge. Beaucoup d'entre nous ce sont des Petro Challengers. Moi spécialement, moi c'est un homme qui est toujours demandé côté Petro-Caribe à participer et prendre des initiatives dans la communauté côté m'a vivre pour nous demander cobla et garder qui j'ai comment tu es capable bon procès qui fait. C'est à travers ça nous si nous lancer Petro-Caribe Challenge et Petro-Caribe Challenge c'est pas premier challenge qui lancé. Il y avait encore était un challenge qui était lancé par Jimmy Borgela qui était bibliothèque, c'était pour bibliothèque et nous après et une combine bibliothèque Cité Soleil qui mettait sous pied bon bonne côté qui fait bibliothèque nous gagne combine tout son challenge et nous gagne fatra avec combine citoyen til ça veut dire un ensemble de challenge qui fait nous dit là faut nous capable prendre si challenge pas bien nous devons marcher avec évolution tout nous pas devons marcher avec nous pas devons caractère traditionnel nous devons marcher avec évolution nous dit si avec challenge nous arrive à faire revendication du passé en pousser puis devant en faire revendication nous pousser avec et avec jeunesse a besoin de travail et c'est là nous tapons enveloppe jaune nous marquer jeunesse a besoin de travail nous envie sortir c'est à travers les réseaux sociaux il y a monde qui ouais nous avec enveloppe jaune c'est messieurs dames enveloppe jaune c'est là nous envie sortir auparavant nous pas gain vraiment un nom pour nous te bailler mouvement nous c'est seulement gain jeunesse a besoin de travail c'est comme ça mais c'est pas tant qu'on ouais gilet jaune peut-être jaune nous cassonner et puis peut-être revendication capable gagner dans revendication pendant qu'il y a dans gilet jaune et nous même nous ciblons bien que nous même nous voulons élargir cadre là parce que travail tout le monde fait pour travail constitution et parler de travail c'est droit au monde gagner son droit fondamental qu'on monde gagner ça veut dire pas seulement pour jeunes mais là nous garde en Haïti la jeunesse c'est classe qui est plus touchée par question de chômage là, en Haïti. Mais maintenant il par rapport avec question ça et ou même et régional la douceur et cap évoluer en ce qui a trait avec le niveau CEUH et avec All Price le côté des mouvements enveloppe jaune qui sont dit tout d'abord l'aime pas ces mouvements me dit il est plus semble un buzz l'aime dit dans le sens buzz est-ce que vraiment une analyse approfondie qui fait pour garder comme si me dégado est-ce que il y a possibilité pour mouvement aboutir vraiment bon mais c'est expliquer pour ça l'aime dit jeune a besoin de travail même les m'attendre première question posée qui est-ce qui va le travailler ça que me pas joindre dans titre là m'a essayé poser des même question même les questions me poser dans l'université est-ce que c'est l'état pas une capacité pour le bailler tout jeune travail me dit est-ce que c'est secteur privé me dit secteur privé que nous là qui très commercial qui marche ou pas une capacité pour absorber toute main d'œuvre que quantité étudiants qui finir dans l'université mais c'est demander jeunes de besoin de travail me pas joindre question vraiment côté la sortir ça que bail étant donné que nous connaissons nous un système. Mais c'est garder coller puis pour moi vraiment qui côté jeune va venir travailler. Donc là, je commence à confirmer, me dit bon, jeune a besoin de travail, c'est vrai. Tout le monde a besoin de travail, mais avant jeune a besoin de travail là, est-ce que pas vraiment tu dois avoir l'autre challenge ou l'autre revendication qui paraît tout. Parce que là nous dit jeune a besoin de travail, tout le monde le connaît jeune a besoin de travail. Mais réponse à c'est qui côté a besoin de travail ça. Mais il y a des monde qui pose cette question par rapport avec qualification de d'un pile monde ça qui a besoin de travail et non en dans société là, par rapport avec et constat régional là. C'est qui ça quand même capable dit jeune Mary et pour constat original là une bagaille qui m'a dit nous pas de mettre l'état nous responsable l'état c'est lui qui est responsable et plusieurs choses c'est pas que l'état pas capable travailler m'a dit ça clair l'état pas capable tout le monde travaille mais on peut par exemple cognon il y a d'autres cognons dans le pays si à chaque zone qui tant qu'on connait on centre un centre santé publique ça veut dire nous t'es capable de joindre des trois médecins t'es capable de joindre des trois infirmiers on qui fait administration qui travaille si nous gain on dit l'état a fait dans plus de 200 on dit l'état a fait dans plus de 200 sections communales ça veut dire nous t'approuver combien monde si multiplier par 10 combien monde l'état est capable de commencer bail travail l'autre bagaille qui nous puisse indexer l'état nous toucher l'état c'est créer conditions pour permettre travail créé dans pays par exemple aux États-Unis il y a une bagaille qui fait 80 à 90% emploi qui baille c'est des petites entreprises mais petites entreprises ça ont un accord avec l'état il y a une bagaille qui est capable gain un petit problème avec ça régional dit normalement tout le monde qui a sorti dans l'université pas forcément mettre en tête que on va créer une entreprise bon me dit est-ce que nous avons bon me dit si par exemple moi son médecin
Je suis médecin, je suis médecine. Est-ce que je dis bon, je vais faire un business pour vendre des choux, je vais vendre des tomates, je vais faire ça. Mais ça, c'est place dans l'autre monde. C'est parce que le pays n'a pas de jeunes opportunités. Est-ce que ça empêche ou évoluer dans le secteur médical là, qu'on a par rapport avec l'autre qu'on a créé là dedans qu'on a. Par exemple, vendre des choux ou bien vendre des tomates, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est qui fait ce que nous pouvons le faire. Et je pense que c'est au niveau ça qu'on a parlé de questions d'entrepreneuriat original. Bien sûr, parce que on a proposé des questions encore. Parents nous mêmes c'est majorité là dedans c'est pas travail qui met nous dans condition que nous là c'est commerce que tu as fait nous en forme traditionnelle ça que tu as vendu charbon ça que tu as dans ça ça que tu vends dans la rue jusqu'à présent donc parents nous mêmes yo voyons nous l'école nous avons un niveau d'éducation si que chemin ça va pas t'emporter lui arriver mettre nous là mais c'est faut étude qui très clair qui quantité jeune que me connais moi même les font étude moi même par exemple dans l'école côté que me sorti ENST. Vous regardez qui quand tu es jeune, après bon, un an, deux ans ou quelques mois, tu n'es pas satisfait vraiment de travail. Yo. Donc, il y a un travail là, certes, mais revendication est bon, mais il manque défini. Par exemple, là, des jeunes ont besoin de travail, qui type de travail? Dans quel secteur? À qui condition? Est-ce que si on a des jeunes ont besoin de travail, mouvement factory là, pour me faire sous-traitance, je dis 1000 jeunes viennent me faire au travail, est-ce que je suis satisfait de mouvement ça? Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment répondre. Mais ce n'est pas une revendication, jeunes ont besoin de travail là, pas bon. Jeune Dylan, tout jeune n'a pas créé de travail. Déjà, par contre, qui me paye, tout le monde est entrepreneur. Mais par contre, le regard des quantités de jeunes que nous avons là, qui ont des copes dans qui ont investi dans un programme, dans l'activité, qui ont participé ensemble avec eux, je pense que les jeunes ont besoin de travail là. C'est vrai, mais les jeunes ont plus de travail que capable de faire que de travail. Côté que fort mouvement reconnexe. Et comme si je me dis, j'ai besoin de l'eau, mais j'oublie tout les aspects qui sont entourés. Maintenant, il y a une question que je me pose, et John Marie et Auguste. Est-ce que vous avez une idée par rapport avec les chiffres qui existaient sur la quantité de jeunes qui apprentissent sur le marché du travail là chaque année? Et bon, ça c'est un plus gros défi lié pour nous, c'est jouer accès à l'information dans le domaine là, en Haïti. C'est plus facile, mais on a plein de travail, c'est plus facile pour nous jouer un travail en Haïti que l'information, pour nous connaître la quantité de monde qui a rentré. Mais c'est là nous connaissons que, au lieu nous gagnons la quantité de monde qui a rentré sur le marché du travail, c'est plus n'a pas perdu de monde. N'a perdu du monde ou capable à travers market yo ou capable venir aujourd'hui ou te on 5 10 monde qui était dans rayon yo et puis l'homme a des côtés yo soit jeune ça fait comme liquider le parce que ça l'a gagné pas ca li pas ca subvenir a besoin et yon n'a pas qui me les pour ton réponse original li fait comprendre nous comprendre d'accord et maman nous papa nous c'est ça qui a fait qui permet nous arriver côté rivé là mais faut que nous pas oublier 160,000 et plus de 160,000 haïtiens qui vivent au Chili yo pas quitter pays pour l'autre bagaille qui travaille et là aller yo fait profit vieux pas là aller en pile là dans aller yo fait profit moi je connais un jeune qui aller Chili et sous il y a 3 ans il est à construire mais maintenant oui mais 3 ans pas de capable construire original tu veux ajouter magaille de ça me devait ajouter ensemble avec John et à chaque fois c'est pas des accords seulement qui gagne on parle des accords ensemble avec mouvement nous seulement dit mouvement qui est complet parce que lorsque jeunes ont besoin de travail jeunes ça au Chili si qui était était devenu plus bon pour économie pendant dire faire profit un jeune au Chili en moyenne $3,000 américains de en Haïti si 10 jeunes qui parle Chili 10 jeunes qui parle Chili qui est fort $30,000 américains. Donc, on regarde bien qui quantité par an nous qui est arrivé mettre ensemble qui te gagne $30,000. Qui doit passer toute vie. Gon bagaille, mais c'est ça me voulait nous comprendre. Faut que nous aller, nous n'avons pas mouvement enveloppe jaune dans le souterrain là dans réalité pays. Nous pas philosopher, nous pas chercher des belles mots, des belles paroles, des belles paroles normalement pour nous abdi, nous al sur le terrain. Pour qui raison? Nous n'avons pas à comprendre. Un jeune qui doit compte à Chili comment la Chili a il passait beaucoup de Fouchard, il dit Fouchard, on connaît un gros problème là, moi je voulais quitter le pays, prêter le temps comme. Il passait Koto, il dit prêter le temps comme. Vous comprenez? Est-ce que jeune dans lui-même, ou pensez libre à le prendre comme ça, en pays pareil, qui n'a pas une stabilité politique, sécurité à pas bon du tout, et une sécurité qui a ravagé, ou pensez jeune ça, pour le prêter, pour le prendre chance, pour le prêter un comme dans mes Fouchard, et pour le prêter un comme dans mon, pour le prêter un comme. Et même mon cap prêter là. Même on peut prêter là tout si c'est pour l'investir la difficile pour le prêter dans pays mais le plus facile pour le prêter pour aller parce que le connaît la 5 à 10 000 moi je me si jeune qu'on a même qui qui comme parle il pas prendre risque pour l'investir pour créer travail pour peut-être parle on demande qui est-ce qui va créer le boulot ça c'est question que me toujours réponse pour occasion mais c'est pas comme parle moi dit son comme en pile là c'est comme vous prêter mais investisseur qui va venir mon qui va venir faire entreprise c'est pas comme parle c'est comme la banque moun k'ap vini blanc k'ap vini investir ou étranger k'ap vini investir dans pays c'est pas forcément comme parle c'est comme l'autre investisseur oui c'est ça que nous voulons reprocher l'état moun sa aux États-Unis gon garantie gen financement à risque
gon garanti yo di ala ka prete foucha tan et reprete foucha encore pour le fonds investissement l'état connaît le ka perdu l'état garanti banque ka prete foucha comme là si foucha perdit comme là la remettre l'île mais maintenant si par rapport à la question d'original est-ce que je dis là et on dit que moi-même et qui et son jeune qui cherche travail qui besoin de travail pendant que m'a cherché travail et que on gagne 50000 goud on gagne 100000 goud parce que quand on parle de 3000 dollars américains c'est environ 200000 goud environ 200000 goud et je dis à là et on pas décidé d'investir 1000 dollars que me gagne avant m'a chercher et l'autre 2000 prêté et maintenant tête moi que on capable joindre un monde qui investit pour moi-même moi bénéficier un job ici et gagne et un jeune expert et en économie qui c'est Fritz Gérald lui qui en 2013 t'a dit que il y a environ 35% et la population qui est en chômage et les ça n'était environ 1.5 million et environ et capable dire 1.5 million et jeunes qui est concerné par la question ça. Mm-hmm. Je vous dis là c'est qui ça qui a fait. Est-ce que nous capable rester comme ça et puis et ce que ne pas basé sur 1 2 3 4 est-ce que dans demande nous yo gagner des capable dire nous rentrer en contact avec autorité qui concerné qui ça dit non point ça OK une bagaille tout que nous les dire et 160 000 moun sa ka viv chez li a yo pa te ka 160 000 entrepreneur et une bagaille qui un petit gens fois en Haïti c'est qui travaille c'est tout non luxe travail pas facile en Haïti. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin de 3000 dollars américains pour li aller Chili ou aller dans un pays en Amérique latine ou bien la en République dominicaine. C'est pas même gens si jeune dans un projet. Je connais des tas de jeunes qui rejoignent le mouvement Enveloppe Jeune qui ont des projets pour garder qui gens comment capable jeune financement accompagner pour jeune financement pour capable créer travail pour permettre plus jeunes intégrer marché travail en Haïti. Mm-hmm. Ça veut dire pas facile. Mais si nous avons des jeunes Sao, si nous avons des jeunes Sao, là, je ne veux dire que tu es au Chili, c'est plus facile. Et comme témoignage, et maire principal, maire ville au Kaila, qui te dit, il compte des jeunes comme pour la Chili, tandis que il pas jamais dit combien de jeunes il y a comme pour faire business. Mm-hmm. Maintenant, le problème, c'est qui côté lié, selon vous-même? Et le problème, non, dit, problème, non, ils sont les problèmes dans côté. D'après moi-même, côté moi problème nan li au niveau de l'État. Moi-même pas moi de l'État pour créer travail, mais l'État sont facilitateurs dans ce qu'on appelle la création d'emploi. Mm-hmm. Faciliter c'est faciliter les jeunes qui en dans entreprise, faciliter des jeunes qui gagnent des projets qui mm-hmm. capable permettre nous bail plus monde travail. Mm-hmm. Tout le monde pas ca créer travail, tout le monde pas ca travail, tout faut que les monde qui créer travail en non pays sérieux, c'est secteur privé qui occupe le mais avec yon yon relation. Yon nan pi gros problème ki avec kek moun ka pran pou ki vini avec des projets. Sa ki yo vini son bagay ke pays a bénéficié de li, mais pays étranger yo, l'autre pays yo a plus bénéficié par rapport à produit yo vle pou yo vann nan. Est-ce qu'on en 1950 80% ça a nous te kon consommer en Haïti, c'était nous te kon consommer dans pays a, c'est dans pays a yo te fait, ça te pral ban nou on main d'œuvre aussi élevé qu'on a nous pa gagne là. Si nous vini avec des projets d'entreprise qui axer sur la production et sur production locale, sur production nationale. D'accord, en aller na pète mais et nous avons l'état tout qui doit jouer avec les avec les PME pour garder qui gens nous capable pour capable pouvoir production nationale. Très souvent il y a des gens qui dit que en plus mon cap travaille ici, il y a un chômage déguisé. Est-ce que ça que nous dit que mon yo a besoin yo. Est-ce que c'est pas vraiment un phénomène chômage déguisé? Ou encore sous-emploi qui a parlé régional. Ben, voilà, c'est notre cas ça. Par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Je finis en NST, je finis en gestion des affaires, je suis licencié. Je vais deux choix devant. C'est soit aller travail, je vais jouer, je vais pas jouer. C'est soit je vais créer propre activité. Qui activité je vais créer? Tout de risque. Mais il y a un qui a moins de risque pour moi et pour toute vision que c'est la charia. C'est créer propre activité pour. Peut-être qui ça? Je souhaite dire, je connais des jeunes là qui finissent. Cap touché 20 000 goud maximum, 15 000 goud pour commencer. Mm-hmm. Et sans oublier, c'est 20 000 goud, 15 000 goud, bruit. Mm-hmm. Faut retirer un valet de taxes là-dedans, mm-hmm. pour, etc. Mm-hmm. L'offre pour un jeune, ou la gueule, par exemple, à 3 300 $ net par mois, monsieur, en entendant que un jeune, si que lui paye 10 dollars machine, lui mange 20 dollars, lui goût, mais par jour, mm-hmm. presque pas gagné pour jeune, mais m'acheter rat de sonner. Mm-hmm. Et jeune, ça, attend nous que le capable de gérer ça, nous capable de gérer une apparence. Il sentit mon travail chaque jour, le bon chemin, le bon col, le bon cravate, il dit la travail.
mais jeune ça lui tuer toute capacité créative que il gagne la caille lui tuer j'aime me dire l'aime de l'école m'pas qu'à faire 4 ans de l'école m'ai 15 matières par année faire environ 60 matières pour toutes ces 4 ans et puis maintenant rentrer dans travail yo ben moins qu'on mettre carré pour me chita m'a fait vérification chez pour bon bagage qui automatique qui pas vraiment faire appel avec tout ça que m'apprend dans l'école là la base donc si majorité jeune que gagne c'est dans un ça que prioriser pays a perdu un peu. C'est comme si me au lieu que me réfléchir par exemple à penser pour connion gba comment que me capable résoudre problème de l'eau combien comme ça demander pour que nous gérer de l'eau dans connion comment que me capable mettre tout ça pareil pour traiter de l'eau comment que me capable acheter une pompe nous pomper de l'eau nous sortir nous tout nous côté gain sous qui pile nous râler le connion pour gérer problème ça m'a fait un travail utiliser matière grise nous pour que nous utiliser matière grise des solutions qui capable utiliser la société exactement c'est pas que solution ça plus facile ou bien les contrer avec position chercher travail là mais au moins jeune dans les apprendre et de sorte que on jeune toujours me dire qui fait expérience entrepreneuriale qui pas réussi ou plus facile jeune au travail gon capacité de réflexion vinn gagner gon vision vinn gagner ou après que même que jeune salarié dans mon travail lui dit mon son transition que m'a fait pour me faire encore pour m'investir dans un projet d'où mouvement chercher travail moi même tout me t'ai besoin de travail en époque me dit non mais c'est pas travail me besoin plus besoin de travail capable dire contrat par exemple actuellement plus de contrat consultation que bon travail stable c'est-à-dire que samedi me dois activité lundi me dois activité mais restant m'a pensé réfléchir comment que me capable faire moi-même qui gagne possibilité que société a aider me passer dans lycée me passer dans université l'état me fini au lieu que m'a cherche un travail pour utile une quantité jeune qui pas dans position de chercher travail là il pas gagner mal là il pas gagner mal du tout Auguste et c'est justement mais gagne des monde qui questionne tête sur même point ça en ce qui a trait avec type de travail mon va faire ça qui a joué en tête de salaire qui ça n'a utile directement par exemple et monde qui dans chômage déguisé on dit jodi à là un monde qui a touché 15 000 gouttes. Il y a des gens qui ont touché 10 000 gouttes. Il y a des gens qui ont un job aujourd'hui qui ont touché 15 000 gouttes. Et qui est capable de faire directement, réellement, pour vivre avec ça? Et normalement, nous, les au chômage déguisé, bon, la caille, non. Parce que depuis que nous avons travaillé, ça a dépensé par jour, ça a gagné par jour, là, pas qu'à couvrir les dépenses. Et dépenser par jour, ça, c'est un objectif qui fait un peu le monde qui a travaillé, il y a un petit corbeau, il y a quitté le pays. Et yon nan bagay tout ki m'ap di régional, c'est même gens m'ap di pour quelques moun qui dit ou lancer dans le domaine entrepreneuriat. Moun nan lancer dans le domaine entrepreneuriat, li lancer de façon individuelle. Nous manquer collectif, nous manquer collectivité à la caille, nous manquer ça, nous manquer point ça à la caille. Nous manquer si nous avons un projet et bon Foucha là, m'a vinn côté Foucha, m'a vinn expliquer le projet, il est capable venir nous associer. Nous manquer nous plus faire li par exemple, nous capable bon 50 gouttes. C'est tant que c'est son travail, nous créer by tête nous mais c'est pour un bagage que nous créer que nous comprendre société après sa société a chercher à la jeune la caille. Entreprise yo le plus souvent les a créer, yo créer de façon individuel, yo pas faire de façon collective pour permettre plus monde capable participer pour le cap plus grand pour le cap plus grande et puis en même temps tout pour capable avoir plus monde travail. On peut par exemple gagner des séries de monde qui dit yo choisi investir. Ou choisi investir, c'est très bien. Pas vrai? Ou choisi investir, mais demander le combien la toucher en deux business ça gagner. Et lui même il va travailler. C'est vrai le mot entre oui, un business. On me dit quitter si le gros problème soit yo dit faut qu'il gagne 20 à 30 000 dollars. Si business a gagné à 30 000 dollars, c'est notre business qui va le mettre mal. Ça veut dire que lui-même ne va pas toucher. Si je gagne business, je crée business. Que son investissement sur l'avenir. Non, ça me dit, John. Son investissement sur l'avenir. Vous avez créé une entreprise, vous faites 10 ans, vous faites déficit. 11e année, vous commencez. C'est ça qui vient difficile. C'est ça qui fait différence. C'est ça qui fait différence. Une solution facile, une solution difficile. Et c'est une solution difficile qui est bon pour Haïti dans le cas. Tout jeune pas créer travail, mais dans la vision, enveloppe jeune, gon ensemble de jeunes tout là-dedans, il faut que travail avec un plan B, c'est pas seulement option que vous avez. Parce que là, un jeune dit qu'on a besoin de travail, ou dit jeune, il a besoin de travail, grand pile jeune qui sont dans le site, tout capteur de travail avec un jeune. Et c'est là que nous parlons de limite mouvement, mais qui est bon. Parce que un jeune, par exemple, si je suis une entreprise, il est normal que je suis capable de commencer mon travail, je suis capable de traverser, je switch, mal faire business. Mais il faut que jeune connaisse que, en Haïti, les gens qui ont évolué, on dit que un jeune qui déjà au travail dans le domaine touristique, dans le domaine touristique, dans le secteur touristique, là, on paye lock. Ou t'en de tout avion pas rentrer tout au restaurant hôtel jeune ça ou notre travail là excusez l'expression mon plus facile pour mourir rapide tel corps sauter qu'il est après vous qu'il est que pays a bloqué mais là que jeune soit le retourner dans pays lui retourner dans zone où il était sorti lui commencer l'entrée dans entrepreneuriat agricole la planter lui prendre commencer à faire cette transformation par exemple banane yo calé depuis en dehors des idées qui simples jeune plus à réfléchir même si jeune n'a pas gagné autant à court terme que un monde qui est capable commencer notre travail mais après que pour pays pour jeune gon aller mieux parce que une bagarre qui difficile qu'on a essayé comprendre c'est
en Haïti mandé travail à comment ça est parce que des ces monde là du travail monsieur on commence voilà au région moi parce que moi dit ça clair pour gagner des CD entre des CD des PME normalement faut qu'il accentue sur production nationale là faut que ça que yo vinn vendre comme projet a li gagner et Haïti gagne au moins 80 à 90% là-dedans vous comprenez si par exemple moi dit bon me choisi vendre un produit caprinaire en République dominicaine c'est travail pour un dominicain c'est travail pour mettre comme dans poche un dominicain c'est travail pour voir petit mon en République dominicain à l'école mais si on dit ah me choisi lancer dans secteur agricole là côté m'braler à cahier m'braler prendre banane c'est travail pour mettre un petit enfant on sort l'école vous comprenez c'est travail tout pour bailler un espace pour gagner plus d'hôpital pour capable gagner ça c'est pas comme nous allons obligé prêter dans mes Venezuela pour venir faire en Haïti vous comprenez c'est dans sens ça que moi veux qui travail créer moi même moi tout faut travail créer parce que jeunesse a besoin de travail si jeunesse a besoin de travail c'est que mouvement enveloppe jeune les travail créer nous gagnons des entreprises dans des petites entreprises fait des nous parlons par rapport avec l'autre initiative qui apprend en dedans mouvement enveloppe jaune nous même qui branché radio télévision pacifique qu'elle n'a pas plus rap suivre émission accord désaccord aujourd'hui nous avons deux invités qui c'est John Mary Auguste qui c'est porte-parole mouvement enveloppe jaune et puis nous gagnons Reginald Ladouceur qui lui-même aussi est président CEEH et puis directeur national de Old Prize pour Haïti il était branché dans compose n'a tourné tout à l'heure. Merci à vous même qui toujours branché merci à vous même qui toujours branché Radio Télévision Pacifique dans leur émission Accord ou Désaccord. J'en connais aujourd'hui à recevoir deux jeunes et bien il y a une qui a fait promotion pour emploi et il y a une qui a fait promotion pour la création d'entreprise entre création d'entreprise et emploi et il y a un lien d'accord et qui existait aujourd'hui là et nous même dans niveau et mouvement enveloppe jaune et John Mary Auguste qui ça capable faire pour nous capable encourager la création de l'emploi et chez les jeunes particulièrement. Il y a une bagaille que nous capable faire c'est rendre pays à facile aux jeunes qui veulent créer. Il y a des jeunes qui à l'étranger peut-être qui étudié qui ont moyen temps mais venir investir dans pays à mais le fait que on connaît à n'importe qui les cas de dérapage à n'importe qui les capable gon problème pas problème insécurité et ça vinn di yo mete en doute yo di ah est-ce que met vinn en Haïti vinn investir ou pas c'est ça que fait nous di jeunesse a besoin de travail il faut que l'état crée conditions pour moun vinn travail pour moun créer travail en Haïti c'est ça qui est plus important c'est façon ça c'est l'état qui peut faciliter tâche là pour jeunes yo pour jeunes yo accompagner yo ba assistance technique aider yo de façon et sur le plan financier juste pour permettre plus mon travail et une bagaille tout m'a dit que création d'entreprise c'est pas par création d'emploi ou pas qu'a dit ou créer emploi ça qui pas une entreprise qui créer dans pays et je dis là et jeunesse là besoin de travail c'est slogan mouvement enveloppe jeune ça ou même en tant que jeune entrepreneur et original comment encourager la création d'entreprise par les jeunes en Haïti je dis question li mené nous très loin d'abord c'est à la base pour commencer par éducation jeune même parce que yo formé nous pour plus robot sin capable dire ça pour expression yo pas formé pour résoudre problème mais yo juste formé pour entrer dans un système et tout presque système éducation à travers et système éducatif à travers le monde c'est ça au fait yo formé des employés yo pas vraiment montrer nous comment pour créer la preuve m'étais dans l'université toujours fait des activités entrepreneuriales et gien professeur qui pas de perdre dit tant l'aime fini mal de mon travail au lieu que m'a plaidé faire tout bail ça m'a perdu du temps. Un professeur carrément qui dit que m'a perdu du temps parce que m'a fait activité, m'a créé, m'a cherché. Et de sorte, lors retourner dans même l'école ça encore présenter du soir faire ou dit va créer propre activité ou des projets en cours. Yo seulement faire OK. Oui, ça juste autre comme modèle. Mais seul pas vrai, mais on peut pas croire comme modèle toujours. Yo seulement faire OK. Mais là on dit que m'a travaillé tel côté telle institution, yo commencer sourire. Et comme si me t'ai dit un jeune yo fin formé, jeune n'a travaillé, yo réussi, yo senti que yo fier. Mais un jeune qui est formé que jeune ça qu'on a lui même l'a créé une activité, il est pas fier. Après 5 ans 10 ans, peut-être nous avons un modèle même professeur ça capable. Donc premier bail là c'est l'éducation. Deuxième là c'est incitatif. Par exemple, bien a un ensemble de programmes qu'on a selon qu'on va investir dans un secteur, yo bail banque des avantages soit sous taux de réserve obligatoire là ou bien l'autre avantage pour garantir ça.
pense que nous avons que tout jeune qui a un projet sérieux, ouais, là encore nous mettons l'accent, ce n'est pas tout jeune qui a un projet qui est viable. Mm-hmm. Mais il y a des jeunes qui ont des projets capables de faire des milliers de monde de travail. Il faut que l'État prenne des mesures incitatives, gens qui ont fait pour l'autre secteur de franchise. Au moins une mesure simple capable de dire si on entre, parce qu'il y a 30% de jeunes là-dedans, mais qui a avantage qu'il est capable de faire. Imaginez que si vous faites ça seulement, une quantité de jeunes qui ont l'argent, qui a dépensé pour aller dans notre pays, nous avons décidé, bon, puisque nous avons des avantages, nous avons des accompagnements, et bien, nous sommes capables d'investir comme ça, nous avons des garanties, et nous sommes capables de faire un financement. Nous sommes capables de reconnaître le secteur productif, là, surtout dans le domaine de l'agriculture, c'est les jeunes qui la donnent. Si nous avons des dangers, si mon projet, mal dans n'importe quelle banque, il est capable de faire mon prêt, sachant que BRH garantit pour ça, mon fonds de risque, je ne vais pas avoir de problème pour me tourner en province, pour me planter. Je n'ai pas de problème pour mon prêt, pour m'investir, pour mal transformer. C'est possible. Il y a un problème grand pour nos pays, qui est capable de gaspiller, donc je ne vais pas tourner dans l'agriculture. Mais maintenant, et par rapport à la question, ça, et nous avons tourné sous et John Mary, parce que nous n'avons pas vraiment été temps et pour l'émission aujourd'hui, il y a des gens qui ont questionné par rapport à la question formation jeunes, en plus dans les jeunes qui ont de travail. Yo. Est-ce que vous formez par rapport avec Jean Machia? Jean Société après aller à là. Ça veut dire que, est-ce que nous arrivons pour nous évaluer le système éducatif là par rapport à l'évolution de la société ou encore du pays même, je vous dis, à j'en avais dans la société là. Parce que, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée, mais qui est obligé à la Dominicaine, qui est obligé à la Chine, qui est obligé à l'États-Unis. Est-ce que nous-mêmes, dans le mouvement enveloppe jaune, nous posons une série de questions ça là-haut? Et si oui, c'est qui ça nous en termes de réponse? Oui, oui, nous posons peut-être nos questions ça et nous. Essayer de poser problématique là. Il y a une bagaille pour comprendre et jeune n'est capable quitter Haïti pas qu'on fait rien du tout là les États-Unis. Elle arrive il joindre assistance et l'état américain pour lui capable gagner un bagaille qu'elle ca offrir à société, à un service qu'elle ca rendre, un service qu'elle ca bailler à société américaine là. Ça veut dire ça c'est une bagaille que nous dit que l'état a supposé faire, l'état a supposé accompagner toute institution qui veulent faire ça, former des jeunes, parce que c'est pas seulement jeunes qui a licence, jeunes qui n'ont la ria tout, jeunes qui cap si et machine tout, les besoins de travail, jeunes qui a mandé dans la ria, parce que d'ailleurs mendicité c'est une infraction, ça veut dire ils ont pénalisé mendicité en Haïti, ça veut dire jeunes ça c'est pas mandé ou t'as mandé, au contraire c'est travail ou t'as remis travail, mais c'est former eux, jeunes n'ont pas besoin d'une grande formation académique pour le capable briver on va être capable faire on prend le cas on nous dit que nous avons un jeune qui compte tirer roche nous connaît gain sport pour ça si ministère jeunesse sport et action civique livré normalement on connaît bon cadre de jeunes mais maintenant en termes de chiffres et John Mary qui quantité jeunes qui dans mouvement et en termes de chiffres nous pas pour compter mais nous capable dire la compter des centaines à des milliers de jeunes qui en fait mouvement. Parce que ça mais maintenant encadrement que c'est sûr qu'il y a une structure. Oui, il y a plusieurs cellules, il y a cellule qui gère et média, il y a cellule qui travaille sur réseaux sociaux, il y a cellule qui travaille et pour planifier des marches, des sittings, ça veut dire chaque cellule a un groupe de jeunes, il y a 10, il y a 15, il y a plus tout, En termes d'encadrement que nous ba jeunes ça c'est qui ça oui. Et bon côté par nous en termes d'encadrement que nous bailler c'est en termes nous conseiller une partager ça que on a avec l'autre par exemple ou gen doit gon travail côté pour le faire là on sort pour produire un texte ou besoin un document et puis une bagaille ça que nous fait nous échanger ça veut dire nous échanger nous font sorte de talk nous échanger et une autre taille quoi des bouquets gen doit besoin support nous soit yo besoin organiser un match ou besoin support nous pas boy site au cas gen doit besoin support nous ça nous fait et puis nous échanger nous faire sous forme de combit pour nous permettre jeune ou capable de faire activité. Oui, Jean. Je dis à la, et Haïti et nous avons une situation pays à retrouver li. C'est qui ça à venir en tel mouvement, enveloppe jaune, jeunesse a besoin de travail, yé dans le pays d'Haïti selon vous. Avenir n'est lié certain, c'est que grand pilote causé qui va régler. Par exemple, je dis là, pour que jeune ou jeune travail, il faut que vous ayez une formation. Sinon, travail que vous prenez jeune, même jeune, ça encore pas de travail là. Je sais par exemple, on chaîne de la Vinou Villa, il y a des techniciens ou pas qu'à venir ici. Il y a des entreprises, il y a des machines, il y a des sites obligés à ranger les République dominicaine, il y a des matériels ou pas qu'à venir ici. Donc, pour jeunes jeunes travail, d'abord, une question de formation qui pose. Pour jeunes jeunes travail, une question de stabilité politique et économique qui pose. Parce que l'entreprise, ça, au quoi elle vient là,
entreprise pour que jeune une condition pour sentir au travail pour capable travailler faut que environnement économique favorable. Je pense que ça va dépendre de structure là. Faut que connecté tant que CEH ça n'a fait assez même bagaille mais faut que lié. Même j'ai aussi que nous même nous gagne entreprise nous pas jeune qui pour travailler là-dedans nous pas avancer. Si que nous gagne projet mais pas gagne main d'œuvre nous pas jeune qui qualifié tout nous pas avancer. Mais c'est essayer faire lien pas seulement parce que jeune besoin de travail l'état va venir bailler travail derrière l'état tout là bailler travail qui ça va faire. C'est des activités incapables de cash forward ou bien activités à nous en province, faire mon vidéo watch dans la rue et tout bas mon 300 gouttes, projet d'assainissement, projet à route d'utilisation de main-d'œuvre. C'est ça que vous proposez nous comme job. Et bien que vous faites un pile jeune ou bien un pile monde qui a demandé de travail, depuis au fin de jeune, vous êtes satisfait. Mais il faut que non seulement jeune connaît le besoin de travail, mais qui travaille le besoin, qui capacité de bien, si je ne suis pas capable, comment pour m'apprendre? Moi, projet à l'IOT, c'est complexe. Même j'ai tout entrepreneur en Haïti, c'est complexe. Mais par contre, si que nous prenons entrepreneur à un niveau qui est plus bas, les moins complexes sur jeune travail parce que je dis là suis capable de décider 4 000 $ même m'entrer mal font activité productif en ça m'appelle suis capable de gagner 5 000 $ même gagner 3 000 $ pas décider à Chili me dit bon m'a retourner en province me connais tel côté me capable acheter tel matériel m'acheter me venir revendre mais même nous comme madame dit jeune capable d'entrer dans madame ça mais que lui évolue moi monter qu'on vend charbon ou dynamiser quelque part ou décorer ou mettre l'autre emballage sur charbon sauf que ou même planter ou couper bois pour faire charbon ou replanter tout. C'est que jeune n'est capable d'entrer dans une spirale. Vous connaissez que nous avons besoin de bois pour faire meuble, et bien on va couper les bois pour scier. Mais par contre, chaque année, on va planter tout. Moi, c'est une dynamique plus facile pour jeunes d'un point de vue. Il y a une question que nous avons essayé de poser avec vous. Je dis à là, comment le secteur privé est capable de contribuer dans la création d'entreprises par les jeunes? Premier bagage à tous les jeunes, c'est la technologie. Parce qu'en plus d'entreprises qui l'a, expérience que je fais, à chercher un bagage qui a besoin. Parce que l'entreprise, elle va venir des jeunes, s'il va intégrer là-dedans. C'est business ça fait. Très peu là-dedans en tout cas. Même là, bon sponsor, il y a une visibilité là-dedans. Pour bah, c'est que les jeunes développent ça, capable de créer nous. Les jeunes développent une compétence, un secteur, un outil que le secteur privé a besoin. Le secteur privé est capable plus ou moins de chiter ensemble avec les jeunes. Mais si quelqu'un quitte le secteur privé, les gens contrôlent l'argent, les gens contrôlent les compétences, ils n'ont pas besoin de nous. Les gens ont besoin de techniciens, n'importe quoi, ils ont besoin de jeunes, quelque chose, ils n'ont pas d'intérêt pour avoir les gens qui l'ont pour qu'ils mettent nous sur le même table ensemble. Des bonnes fois tout. Et une entreprise doit besoin de service, il va venir en Haïti, là elle prend à l'étranger. Et c'est là l'État qui était un espace vide qui permet à l'entreprise là elle prend à l'étranger. Est-ce qu'on connaît si l'État a taxé l'entreprise là, si l'État a mis peut-être des normes et des principes pour empêcher ça faire, est-ce qu'on connaît l'entreprise là, l'État prend les soins pour les former des jeunes? La nuit, la dépense plus comme la chèche ou américaine. Nous venons l'autre aspect. Est-ce que par exemple des accords de coopération, de libre échange, est-ce que l'État est capable de décider entre nous, sommes capables de dire, entre parenthèses, protectionniste pour dire qu'on n'a pas de droit acheter? Non, il n'y a pas de pas de droit. On est capable de faire. Ou tu n'as pas de chita sous chaise là. Ou pas de pas de chita sous chaise là. Entreprise, tu as seulement dit que tu as une chaise là mouillée. Le fait John. Que mon chaise là mouillée, je vais chercher chaise là. Laisse ça. Entreprise, tu as dit que mon compétition, par exemple, dans le domaine technologie. Donc il monde en plein entreprise qui est là c'est juste un aide il a fait site il a fait application alors c'est un plein informaticien qui là qui pas travaille qui besoin mais ça coûte moins cher tout très souvent longtemps il coûte moins cher et que des conférenciers qui très connu qui a parlé lui même site parle c'est un aide c'est un fait oui il y a pas de problème pour dire que moi aller laptop moi aller téléphone mais yo font site d'être moins rapide donc faut que génio yo compétitif faut que yo vraiment formation yo bon bagage que maîtriser que moun yo besoin c'est ça que m'entend. Si que vous pouvez dire que l'État n'a pas qu'à mettre aucune barrière pour dire que c'est tant jeune pour même l'État baille loi par un quota de 30% de filles à un public là pour combien filles qui travaillent. Même l'État n'a pas qu'à respecter mieux ça que vous prenez en faveur mesdames. Maintenant, et Jodia là, de date mouvement lancé, mouvement enveloppe jeune, à Jodia, combien appels nous recevoir, combien demandes nous recevoir, que ce soit au niveau de l'État ou encore au niveau secteur privé pour nous travailler? Normalement, il y a un secteur privé. Hein? Et à mon grand étonnement hier soir, il y a un ONG normalement qui relaie nous qui dit est-ce que nous avons deux monde, nous avons deux monde dans tel domaine et est-ce que nous avons deux monde qui dans travail social et puis qui ont expérience dans ONG. Il va dire ah, il y a pas besoin parce que c'est jeune, il y a pas besoin ni on nombre de temps mais depuis qu'on expérience. La fiction 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Et puis il m'a dit pour un tour, il m'a dit pour un monde qui fait administration, qui spécialise dans la passation de marché. Ça veut dire c'est qui ça? C'est le fait que mouvement enveloppe jeune journée aujourd'hui a
vignon référence pour toute institution, pour toute entreprise institution qui veulent chercher des compétences et pour faire permettre d'intégrer le marché de travail là. Mm-hmm. Qui ça? Laisse-moi imaginer moi CEH qui a travaillé dans le domaine d'entreprise, il y a une grande relation entre CEH et mouvement l'homme jeune. Pour quelle raison? CEH là-dedans, il y a des petites entreprises, il y a des entreprises qui a pris naissance. Et normalement, enveloppe jaune regroupe des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Normalement. Ça veut dire ça vient permettre que l'enveloppe jaune vient une institution, une institution qui pour une institution de référence. Nous connaissons même avec job maison qui spécialisé et qui travaille. Mais nous pas structuré. Nous structurer, nous avons une base de données, nous avons une Google Form, nous lancer qui sur les réseaux sociaux, nous avons appris à remplir, nous avons dit dans quelle zone nous et puis nous avons. Et puis après, nous avons fait rencontre physique avec nous et puis nous avons fait évaluation. Nous avons plusieurs activités, nous avons fait une bonne fois des CV, nous avons fait nous avons une évaluation des compétences nous avons par rapport. Si cinq nous disons, yo dans domaine yo dans cette infirmière nous pral chita nous va chercher peut-être yon l'hôpital privé ou encore yon clinique pour permettre au moins yo te capable garantir yon 2 à 3 mois stage à moins que ça pour capable évaluer compétences. Maintenant et est-ce que dans cadre mouvement enveloppe jeune nous parler de meilleures conditions de travail ou encore nous simplement de travail. Non, travail là n'est pas donné. Parce que il y a des monde qui travaillent et mes conditions de travail yo vraiment 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 difficile et me poser question parce que moi que nous gagne plusieurs photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux nous fait avec différents patrons et patrons ça nous compte comment mon travail la caillou. Oui, ça veut dire c'est pour la loi nous mettez pour yo. Nous mettez pour la loi dans mais ça veut dire nous mettez pour la loi après nous fin chita nous parler avec yo. Nous mettez pour la loi parce que vous comprenez, la meilleure façon pour adversaire pour toucher adversaire c'est balkin bé message. Elle dit jouer en diplomatie avec les balkin bé message et il y a une force et un courage et même si enveloppe là pas lou nan men ni même enveloppe léger c'est pas épanne même message garantie enveloppe là lou nan men ou le kembel il tremble quand même. Mais maintenant et Réginal et voir le mon dernière question et avant nous continuer avec et point ça jodi à là est-ce que c'est pour sorte d'hypocrisie et pour plus d'un les que y a moun qui est son patron par exemple et qui a exigé à ce que des jeunes gagnent 5 ans 7 ans ou encore 8 ans d'expérience pour qu'ils travaillent et que moun nan ki mon enveloppe marqué j'ai ne sa besoin de travail certainement son hypocrisie qui tellement trop visible même et déjà gon blague nous aimer faire la norme en Haïti c'est que on demande 18 ans d'expérience pour un jeune qui gagne 10 ans. Jeune qui a 10 ans, mais il a 18 ans d'expérience. Mais moun sa ou, c'est même j'allais faire politique, pas aucun problème pour afficher un discours, mais pour agir différemment. Par contre, jeune yo, dans le même mouvement enveloppe jeune ça, c'est comment que ce soit en train de système de changer, ça que m'a quoi, parce que c'est nèg yo qui tout pouvoir soit dans l'entreprise, ou bien au combat li, l'aime dit au combat li, mais font faire ça, faire 100 jeunes ça ont besoin de travail, faire même activité. En pour exemple, pour que ça école normale, par contre, c'est bien en tout cas. Pas une école vraiment de référence reconnue que chaque étudiant qui a sorti crée une école pour étudier ensemble. Pas une seule ensemble. C'est-à-dire que 20 étudiants, 50 étudiants qui sont dans l'école normale, ils ont créé une école. Ils ont reconnu par le ministère, ils ont pas de formation. Au moins, faut nous attendre, faut nous connaître l'école. Ça, c'est des normes. Les travailleurs sont meilleurs en employabilité. Bien sûr. Donc, jeunes, ça aussi mélange avec une fête. Ils ont entrepris, mais ils ont pas de tête au travail tout. Peut-être que chaque université, par une entreprise qui a associé ensemble avec elle. Peut-être que ça monte, mais mon compte, mais je bien dans la réflexion. Peut-être que ça chaque l'église en Haïti, il y a pas entreprise ou business qui ont monté pour que fidèle ça y a pris les Jésus besoin de travail, mais dans comme qui a collecté ensemble, ils font mutuel, ils font structure, ils créent une entreprise. L'église est capable de tout. L'église est capable. C'est tout, c'est là, c'est vision CEH. Certes, nous besoin de travail et moi m'a six fois demandé de travail depuis là que me t'ai rendu compte, l'état fin paye 4 ans 5 ans formation pour des jeunes après formation à l'étranger. Là on rentre, il y a frappé barrière l'état, dit besoin de travail. L'état fin paye pour moi, même maîtrise même venir, l'état ça pas embaucher. L'État paye toute université pour tout étudiant ça, université l'État, l'autre université, l'autre fini, l'État qui est là, même utile ou pas utilisé avec tout l'argent dépensé non. Finalement, me dit le mieux que nous dit l'État, si vous n'avez pas de moyens pour me faire business, créer conditions pour me faire business. Oui, original, si je fais business, vous n'avez pas aider, au moins incitatif quoi ensemble avec tout l'autre secteur, yo, au moins minimum, c'est un mouvement que CEH pour qu'on lance un mouvement parce que faut que nous structurions, faut que nous gonfons.
au moins l'État capable de dire depuis une entreprise où il y a 100% de jeunes là-dedans, mais qui est incitatif qu'on gagne. Il faut mettre toute balise, il faut que le projet soit viable, il faut que les jeunes le qualifient, mais l'essentiel, si un jeune finit l'école, il y a un bagage capable de faire. C'est l'alternative, ça qu'on a besoin. Travail à bout, mais nous avons besoin de l'autre alternative. Là, et où tu as ajouté ton bagage? Original, il faut dire tout, les jeunes là, il faut appeler pour l'État. L'État, vous et lui, à l'étranger, à le faire en maîtrise, ou bien à l'étudier, et puis après ça, il voulait venir. Bah ça que l'État apprend dans le pays, ça fait le frappe pour l'État avant, c'est parce que dans le secteur privé, il n'y a pas de côté pour limiter les compétences. Comment comprendre un jeune qui descend avec toute compétence que l'autre pays, les États-Unis ou bien la France, a demandé pour lui être venu, et puis son jeune fille, elle vient, ou demandé le fuck. Li bayon l'autre bagaille pour li capable de joindre travail. Kou nou d'accord avec alternative là. Ou d'accord avec que jeune ça, gade ça un projet qui lié soit avec technologie, jeune n'a pas besoin de trop, li besoin moins que 1/10 de tout cob li paye pour formation pour lancer. Donc si toute sorte de dim là gien but ça sur marché de l'emploi, meilleure alternative là pour jeune là, c'est pas refuser travail certes, mais essayer lancer le projet. Lancer fond bagaille, créer un bagaille pour que et nous capable garder pour nous comment capable sortir pays parce que je dis à là l'économie haïtienne est basée sur qui ça. Vous avez une idée? Qui secteur est l'économie? C'est le secteur informel. Le secteur informel, je vous dis à là, comment est-ce que nous sommes capables de faire et avec la jeunesse qui vous présente la grande majorité et population et pour que nous gardions pour nous, comment est-ce que nous sommes capables de créer travail pour tête, mais tout créer pour l'autre monde pour qui est dans l'environnement. En tout cas, monsieur, je suis content de parler avec nous aujourd'hui. Et le mot de la fin, Jean-Marie Auguste. Et moi, je vous remercie. Merci Réginal, merci à tout le monde. Et une bagaille qui m'a dit, chaque grand jeune qui a une capacité, qui a une opportunité pour créer travail, parce que chaque grande entreprise, c'est une entreprise, chaque grande entreprise qui est capable de faire une 10 000 travail. Et une 10 000, et nous, une 10 000 travail, c'est presque 10 familles qui sont dans le chômage. Et tant que nous avons une possibilité pour nous créer une entreprise, nous sommes capables de embaucher un monde, faire ça par rapport à la compétence, nous n'avons pas fait parce que c'est des amis, parce que pas fait parce que c'est partenaire, mais faire par rapport à ça. Ça que nous sommes capables de faire dans la société pour permettre nous gagner une mobilité sociale dans le pays. Moi, je dis merci, pas oublier que le mouvement et les mouvements, l'objet, les revendications, c'est là, je n'ai pas besoin de travail. Et je n'ai pas besoin d'espace pour l'évoluer, pour le créer, pour le travail. Merci un peu, Jean-Marie Auguste. Merci beaucoup, Regina, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est ton plaisir. Je suis capable de faire un point positif sur le mouvement Enveloppe Jeune, puisque si vous suivez bien, Jean-Marie conclut en faveur de l'IBCEH. Et pour tous les jeunes qui cherchent travail, je vous conseille de former nous bien. Les gens qui sont compétents, même si vous avez un travail, vous souffrez moins que les gens qui ne sont pas compétents. Développer personnalité, si vous êtes crédible ou compétent, vous avez plus de chances pour aller bouger un travail. Et troisièmement, développer un réseau. Que nous verrons non par un pays qui fonctionne sans réseau. Donc, sous compétent, ou bon, j'ai une bonne personnalité contre qui est souillé, ou bien réseau, c'est plus facile pour jouer un travail que seulement retourner de travail ou ignorer. Mais c'est tout le monde qui était branché à la télévision pacifique dans le cadre d'émission Accord des Accords. Invitez-nous, c'était Réginal La Douceur, président du CEEH. Et puis, nous avons gagné avec nous tous et Jean-Marie Auguste, qui lui-même est porte-parole de Mouvement Sahar, Mouvement Enveloppe Jeunio, Jeunesse là, besoin. Il travaille. Merci avec James Lejean, Gracia, Marc Goffi et puis Eugène Roy. On va se croiser sur une prochaine autre émission.